The debut album from French duo Cassius out now on Astralworks. How you doing? This is from New York. French music, you know, you guys got it kicking right now. Got some really good DJs. Laurent Garnier is awesome. Cash is bringing out some really good music. Air, really loungy, really smooth. So keep bringing that good sound to New York. We're going to have a good time tonight. Laurent Garnier, Monsieur Oiseau, Cassius et Stardust, la scène électronique française est en ébullition. Une nouvelle génération de musiciens qui n'a pas les mêmes complexes que ses aînés fait danser le monde. Le rock français n'a jamais réussi à sortir de ses frontières, mais les DJ et les producteurs de techno s'exportent. Fer de lance de cette invasion française, les Daft Punk, un duo qui a vendu plus d'1,5 million d'albums sans jamais montrer son visage. There's something there. There's a kind of funk. It's almost as if they've found themselves, and especially over the last kind of 4 or 5 years, they now have a confidence. Whereas before, maybe that, you know, that there was a negativity about maybe being from France. Génial. Je suis en train de... Là, je suis dans les trucs un petit peu plus vieux. Je suis en train de rechercher un ou deux disques, tu vois, pour pimenter mon set, parce que je pars demain jouer en Angleterre. Donc, j'aime bien toujours sortir un ou deux vieux trucs, histoire de rappeler ce qui se passait avant. Voilà, c'est surtout ça, le truc. Donc, je cherche, comme toujours. Ça a changé, le métier. Le métier, ouais, ça a pas mal changé, en fin de compte. C'est vrai qu'avant, les DJ étaient là pour... faire une série d'Oslo à telle heure, une série de rock à telle heure, ils faisaient un peu plaisir au patron, tu vois, pour faire de l'argent pour la discothèque. C'est vrai que maintenant les DJ s'expriment, la nuit a énormément changé, et puis aujourd'hui les DJ attirent 2 ou 3 000 personnes. À partir du moment où tu mets le nom d'un DJ sur un flyer, ça attire beaucoup de monde. C'était pas comme ça il y a 10 ans, donc ouais, ça a pas mal changé, c'est sûr. Pourquoi vous continuez à travailler sur vinyle? Pourquoi Comment t'expliquer? Tout simplement parce que avec un CD, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. T'as pas le contact, t'as pas la chaleur, t'as pas le même son. Un CD, c'est beaucoup plus froid. Et puis il y a quand même une espèce d'amour pour le vinyle qui est très très fort entre le DJ et le vinyle. Quoi. Utiliser un support qui est la musique des autres pour faire quelque chose de personnel et de beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux de 5 minutes et puis on va faire des histoires de 5-6 heures. C'est faire quelque chose de musical avec la musique des autres. Là, tu deviens quelque part musicien, c'est tout. Tu vas prendre plusieurs vinyles, tu vas les mélanger ensemble. Même à la rigueur, tu peux mettre des samples par-dessus, tu peux faire plein de choses, et ça va faire que tu vas raconter une histoire qui est cohérente, une histoire jolie, comme un bon film quelque part. Un DJ est là, il a plusieurs heures pour s'exprimer et il va te raconter quelque chose de beau, quelque chose de qui va te donner des émotions, c'est surtout ça. À 33 ans, Laurent Garnier est un des meilleurs DJ et le plus célèbre ambassadeur des musiques électroniques françaises, mais il n'est plus le seul. L'un des grands clubs new-yorkais, les Twilo, accueille une fois par mois une équipe de Français qui organise le Respect, une soirée house mondialement célèbre. Le club, il est énorme. C'est pas, on connaît pas les barman, on connaît pas les gens, on connaît rien peut-être, on sait pas comment faire. Donc on peut pas être pressé, ça nous dépasse complètement. Mais c'est cool. Les deux sons, c'est le meilleur du monde. Le but du jeu ici, c'est d'amener des Français. C'est eux qui sont recherchés. C'est Daft Punk, Dimitri, Cassius, c'est eux qui amènent du monde, c'est pas les Américains. Cette nuit-là, les Parisiens ont invité Gilbert, le groupe Cassius, deux piliers de la scène française. J'ai remarqué dans la house française, voilà, c'est que ça a amené un petit peu d'érision et un peu d'humour. Cassius, en tout cas, nous on veut rendre les gens quand même assez heureux, quoi. Il y a le côté festif, ça en a un besoin, je sais pas pourquoi, en France, on en a un besoin, c'est chier.
bien aimé, c'est qu'en fait cette boîte je la connaissais depuis assez longtemps, parce qu'avant elle s'appelait Sound Factory, et c'était un endroit assez mythique pour la house en fait, qui est connu mondialement pour son sound system. Et donc moi ça m'a fait assez plaisir de jouer dans cet endroit, j'ai jamais cru que je pourrais jouer là un jour, donc j'étais assez content. Ah ouais, de toute façon, nous ça nous fait plaisir, c'est la troisième fois qu'on le faisait là. Mais c'est un des meilleurs endroits pour jouer au monde hein, de toute façon. Seulement hier ils ont mis des petits trucs en bois pour bloquer le truc sur le son. Du coup ça manquait un tout petit peu de son par rapport aux autres fois. D'ailleurs ils ont dit ils vont le refaire la prochaine fois, remettre un peu de son. C'est pas le vrai sound system comme on l'a connu de la dernière fois. Mais sinon à côté de ça c'est super. Depuis 2 ans, le succès de Respect est tel qu'une série de compilations reflétant l'ambiance des soirées a été mise sur le marché. Le lendemain de leur nuit au Twilo, leur maison de disques américaine les attend pour évoquer la sortie de leur deuxième album. We shipped 15,000 copies and we soundscanned about 8.5. So we've sold through about 8,500, 10,000 copies. It's doing really, really well. And it's mostly in big cities like LA and Seattle, San Francisco, New York, Chicago. That's where the big house scene, the big dance scene is. But you know, having said that, you know, it's selling everywhere. But especially well in the 5 key big cities for dance music. 1999 has been like another great year for French dance music. I think there's a lot of very, very unique individual talent coming from Paris, and I think American dance audiences are definitely like getting very, very excited about the records that we're putting out. I think there's something very kind of refreshing about it. I think they're injecting a lot of enthusiasm and energy and style. And obviously hedonism into the music that they're producing. Mais il n'y a pas que les compilations Respect qui marchent aux États-Unis. Démonstration dans un magasin de disques new-yorkais. So you're in New York's Vinyl Mania Records. We carry a lot of French records here. France is the big bomb right now in the world. Here's actually a whole row of French records. We have this here, Alex Goffer. I know he's very famous there. Of course, Cassius, everybody in the world knows Cassius, even an American pressing now. Stardust was just gigantic for us. We sold thousands, hundreds of them. Mr. Oizo, right? Another Alex Goffer record. Really special package. French really package their records really well. That's why they sell a lot, besides being really good records. How could I forget Pop SoundCloud? Now, usually I would have a Daft Punk record to show you, but I'm entirely sold out. In fact, we always sell out of Daft Punk records. Le phénomène déborde largement des boutiques spécialisées. À Londres, dans un grand magasin de disques, Cassius, Daft Punk ou Stardust sont aussi largement représentés. Là-bas, le son français est si à la mode que les journalistes ont inventé le terme French Touch pour désigner cette fameuse petite touche française que nous sommes censés savoir donner à la house ou à la techno. Le mercredi au Queen, l'une des plus célèbres boîtes parisiennes, c'est le jour de Respect. Ce soir-là, le DJ derrière les platines est anglais, mais il a pris un pseudonyme français pour lancer sa carrière. Et maintenant, j'ai un plus confort, une digitale. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Pour faire chic, Jean-Philippe Smet devait se faire appeler Johnny Hallyday. Aujourd'hui, les musiciens français ont la cote. Mais quand il y a 3 ans, 2 journalistes et un organisateur de rêve d'à peine 25 ans ont lancé la soirée par amour de la house, c'était loin d'être le cas. Il y a 5 ans, c'était le tiers-monde ici. Donc s'ils veulent revenir à la situation du tiers-monde, je parle. Non, c'est que ouais. On s'est dit, tiens, tous ces gens-là, on les connaît. Tous ces gens-là, ils sont en train d'être reconnus à l'étranger. Et tous ces gens-là, alors de Daft Punk à Dimitri, en passant par Cam, par DJ Deep, par Gilbert, etc. Tous ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans les clubs parisiens à l'époque. C'était complètement absurde. On s'est dit, le mercredi, on va faire jouer tous ces gens-là. On a participé à toute cette vague qui, tout d'un coup, est passée du truc branché chez nos voisins anglais, allemands, voire aux États-Unis et au Japon, bien sûr. On est passé à un truc qui a commencé à prendre en France aussi, là où on s'y attendait pas du tout. Et du coup, on s'est retrouvé dans la vague, on l'a soutenu et après tout le truc a pris. Mais pourquoi est-ce que cela a pris ? Hey, monsieur l'oiseau ! On comprend que le rock chanté en français a eu du mal à s'exporter. Musique sans parole, la techno ne se heurte pas à la barrière de la langue. Mais au-delà de cette simple constatation, n'y a-t-il pas d'autres explications au succès de la French Touch ?
on a surtout affaire à une musique dont les bases sont essentiellement françaises. La disco, c'est-à-dire les plus gros producteurs de disco, c'est quand même les gens qui ont fait Village People, c'est un français. Les gens qui ont fait Ottawan, c'est aussi pour tout ce qu'on va qualifier de trip-hop, de musique plus mélancolique, plus lente, Melody Nelson de Gainsbourg, sans parler de quelqu'un comme Pierre Henry, que tout le monde cite aussi comme référence absolue aujourd'hui, de par l'utilisation de certains synthétiseurs, de par l'utilisation des rythmes. Et je crois que c'est surtout pour ça que la musique électronique française s'exporte, parce que ses bases, en fait les bases de cette musique, sont autant en France qu'elles peuvent l'être aux États-Unis ou qu'elles peuvent l'être en Angleterre. Et c'est la première fois qu'il y a ce phénomène-là. C'est vrai qu'il y a eu aussi, avant, dans les années 60, même 50, une scène de musique électronique répétitive où il y avait des Français extrêmement créatifs comme Boulez, Xenakis et d'autres qui ont posé les jalons en fait, de tout ce qui se passe maintenant et qui sont en même temps revendiqués culturellement. Bon. Et c'est ça, c'est un peu Boulez, Xenakis, Céron qui maintenant font la French Touch. Il suffit d'être juste un peu sorti des frontières pour s'apercevoir que les Français dansent assez peu, en fait. Ils sont un peu pâteaux pour danser, enfin, je veux pas dire. Il suffit d'aller en Espagne, il suffit d'aller en Angleterre ou même en Italie pour voir que les gens ont un accès à la danse beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané. À l'opposé, les Français se sont mis à faire de la musique qui faisait danser les étrangers. Ça, c'est excellent. Quand même. Je pense qu'on est arrivé à une période dans l'histoire, là, fin des années 90, où qu'on soit à Tokyo, à Paris, à New York ou à Londres ou même dans d'autres pays un peu plus, je sais pas, à Singapour, on est une génération qui a tous, pas tous la même culture, mais on a les mêmes repères, on sait utiliser les nouvelles technologies, etc. C'est pas qu'un cliché de dire que les frontières se sont abattues. Ouais, physiquement, les frontières se sont vraiment abattues. Avant le Queen, il y avait le Boy ou le Palace. Aujourd'hui en réfection, le club du Faubourg Poissonnière fut l'un des premiers endroits à accueillir cette musique. Moi, la première fois où j'ai entendu ça, c'était... j'habitais en Angleterre, donc ça, c'était en 87. Et je sortais dans un club qui s'appelait Hacienda, qui est quand même un club assez mythique. Et puis, les DJ à l'époque jouaient beaucoup de hip-hop, beaucoup de funk, beaucoup de choses comme ça. C'était ce qui était un peu la mode à l'époque. Et ce soir-là, il a joué ce tout premier disque. Je crois que ça a été vraiment le premier disque qui a été produit à Chicago de House, qui s'appelait Love Can't Turn Around, qui était par Farley Jack Master Funk. Et c'est vrai que c'était un disque qui m'a retourné. Ça a été vraiment une claque dans la gueule. À partir du moment où ce truc n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais entendu auparavant. Et je crois que c'était vraiment le truc que je cherchais depuis toujours. J'ai toujours aimé la musique. C'est toujours quelque chose qui m'a énormément excité. Mais alors, ce jour-là, j'ai vu la lumière. Donc, je suis, j'ai été voir le DJ en tapant sur la porte comme un fou, en disant, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était la découverte de la house music, quoi. Je suis revenu en 88 en France, j'étais obligé de revenir pour l'armée, et c'est vrai que la première soirée que j'ai fait en France, c'était au Palace. C'était ici, et le mouvement n'existait pas du tout. Donc je crois que la façon s'est passée comme ça, enfin, ça s'est fait comme ça en France. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis à Chicago dans les clubs gays, c'est ce qui s'est passé ici à Paris. C'est-à-dire que la scène gay est souvent une scène qui est excitée par les nouvelles choses plus que les autres. Ça a été le début, ça a commencé ici. C'était des Anglais qui venaient, qui ramenaient des DJ anglais pour un peu montrer en France ce qui se passait en Angleterre et ce qui était branché, entre guillemets. Après ça, il y a eu des organisateurs de rêves qui sont arrivés en 91-92. Il y a eu des fêtes aux alentours de Paris. Très vite, il y a eu des fêtes qui sont parties dans le sud de la France. Il y a commencé à avoir des choses à Lyon. Les 2-3 premiers tubes, entre guillemets, c'était Wake Up. C'est le titre que j'ai fait qui s'appelait Wake Up, qui a fait un carton en Allemagne. Et puis après, ça a bien cartonné en Angleterre. On a fait aussi Acid Eiffel, qu'on a signé à Détroit. Et à partir de cette époque-là, c'est-à-dire que quand ces deux titres ont cartonné, les Français ont fait, tiens, la musique française marche à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été, je crois, une espèce de porte qui s'est ouverte. Ça a été, Sésame, ouvre-toi.
Et là, les choses ont vachement changé dans la mentalité des gens. À partir de là, il y a commencé à avoir de plus en plus de producteurs, enfin de gens qui produisent des musiques, de plus en plus de petits labels. Les gens commençaient à se dire, tiens, ça serait bien qu'on ouvre des boutiques de disques. Donc, il y a eu des BPM qui étaient là au début, mais il y a commencé à avoir d'autres boutiques de disques sur Paris, des boutiques qui sont ouvertes en province. Et les choses ont commencé à pas mal bouger. C'est vrai que la scène était déjà bien installée dans les clubs. Et puis, je crois que la vraie explosion de la musique française, ça a été tout ce que les gens appellent la French Touch. Ce que Laurent Garnier ne rappelle pas, c'est que la techno a longtemps une mauvaise réputation en France. Les rêves notamment ont souvent été interdites à cause de l'amalgame entre cette musique et la drogue. Il aura fallu des tubes aussi énormes que Music Sounds Better With You et l'organisation d'une technoparade populaire et familiale qui réunit plus de 200 000 personnes dans les rues de Paris pour que l'image de cette musique évolue. Elle s'est infiltrée partout. Dans les publicités, bien sûr, mais aussi, plus surprenant, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football. On sent que la musique devient un peu plus agressive pour accompagner ces mouvements. Ouais. C'est une sorte de musique industrielle, une autre tendance de la dance music. C'est de la techno-trance. Les sons qu'affectionnent ceux qui fréquentent les rêves parties, une musique un peu obsessionnelle. Aujourd'hui, pour officialiser le phénomène, l'industrie du disque française a même été obligée de créer une victoire de la musique dance et techno. Va être remise à 30 de Laurent Garnier. Laurent Garnier. Alors, disque jockey, un des plus connus, pas seulement en France, mais dans le monde. C'est 30 et le titre de votre deuxième album. Comment, de disque jockey, on se retrouve sur la scène de l'Olympia à recevoir cette victoire? C'était pas pensable il y a quelques années. D'abord, la catégorie n'existait pas. Et juste pour finir, j'espère simplement que cette victoire permettra à la techno de s'exprimer plus librement sans subir l'incompréhension et la répression rencontrées ces dernières années. Merci beaucoup. On s'est battu pendant 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui les gens ont accepté, ont compris que ça existe, que c'est un mouvement à part entière, que il y a des gens qui vivent techno, vivent électronique comme on a pu vivre rock, comme on peut vivre rap. Le moindre bar fait venir des DJ, et puis la moindre plus petite télévision met de la musique électronique. On m'a même dit qu'il paraît que pour les européennes, on avait pris Music Sounds Better With You pour je sais pas quelle partie. Donc je trouve ça assez drôle quand même. C'est assez drôle qu'on est quand même arrivé à ça aujourd'hui, alors qu'il y a 2-3 ans, ces gens-là envoyaient des circulaires aux flics pour dire attention, musique électronique, drogués, morts, tous barjots, tous zinzin. Donc je trouve ça drôle, je trouve que l'évolution est assez ridicule, mais drôle. Bah c'est bien, ils sont jeunes. Moi je suis vieille maintenant, donc. Ils sont pas mal. Bon, le reste, je demanderai leur femme. La techno ne fait plus peur, elle est même devenue un signe de modernité, voire une incarnation de cette France qui gagne, qu'on nous vante si souvent. Nouveaux réseaux, nouveaux circuits, nouveaux instruments. Sampleurs, séquenceurs, boîte à rythme, c'est avec ces instruments que l'on propose de la musique aujourd'hui. Il faut bien savoir qu'il y a encore pas si longtemps, pour pouvoir enregistrer un disque, il fallait avoir un producteur, une maison de disques qui mise sur l'artiste, qui paye des studios très chers. Et depuis environ 5-6 ans, on sent une explosion de la technologie, surtout de l'informatique. On arrive avec un PC qui vaut moins de 10 000 francs à avoir un magnétophone, un synthétiseur, le tout intégré.
ce qui permet à n'importe quel musicien qui investit un petit peu d'argent de directement pouvoir enregistrer ses maquettes, éventuellement de les diffuser lui-même, de presser un CD qui coûte aussi de moins en moins cher. Mais concrètement, comment ça marche? Comment fait-on de la musique chez soi dans un studio grand comme un mouchoir de poche? Je commence le matin très tôt à me réveiller en sursaut parce que les enfants réclament à manger. Et puis une fois qu'ils sont à la crèche et à l'école, la journée de travail commence. À 31 ans, Laurent Haut est un adepte du hardcore, une des variantes les plus dures de la techno. Un son loin de house joyeuse et un peu frivole qui a fait la réputation de la scène électronique française. Comme beaucoup, il a commencé par mixer les disques des autres avant de composer sa propre musique. Dans le studio ici, il y a un ordinateur, une table mixage qui mélange les sons, et puis des machines qui font des sons. Un synthé, une boîte à rythme, un synthé, et puis des machines qui les relient pour qu'elles puissent communiquer ensemble et s'échanger des données et être synchronisées. Le morceau de musique techno se construit sensiblement de la même façon. Je commence par un pied de grosse caisse qui va marquer le rythme. Ça peut être régulier, ça peut être irrégulier. Je choisis simplement si ça joue régulièrement ou pas. Je vais commencer par quelque chose de très régulier. Marque le temps. Et j'y associe d'autres sons de boîte à rythme. Ici j'ai les Charleston. On peut mettre des claps. Et ensuite, des sons de synthé. Et ainsi de suite, j'agence mes sons, je les fais jouer ensemble et je construis mon morceau de musique. L'intérêt de la rythmique, c'est qu'on est complètement ouvert à n'importe quoi. Si on veut faire du classique, si on veut faire du Bach, c'est possible. Avec ça, on peut tout faire. Les gens diront non, c'est toujours rigide, c'est toujours carré, mais on est libre de déplacer les notes et de pas faire carré. C'est simplement un choix personnel. On est passé de la machine à écrire au traitement de texte, et seulement avec le traitement de texte, on peut faire tellement plus de choses en parvenir à la machine à écrire maintenant. Si les gens pensent que je fais boum boum, je fais du boum boum. Je fais de la musique, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas grave. L'important c'est qu'il y ait un petit nombre de personnes qui l'aiment et que j'arrive à faire passer l'émotion que j'ai envie de faire passer. Je crois que la musique électronique, il y a un amalgame qui est fait dans la tête des gens. C'est un moyen pour faire de la musique, c'est pas une musique en soi. Je veux dire, aujourd'hui ça a dépassé ça. Je veux dire, on n'est pas. Quand on va dans un bac de. Quand on va chez un disquaire, musique électronique, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, il y a plusieurs bacs. Loin de la techno pure et dure, un musicien comme Kid Loco utilise les mêmes instruments pour composer une musique qui n'est destinée ni au club ni au rêve. Sous l'appellation techno se cache une multitude de musiques, d'ambiances et de rythmes différents. Je travaille plus avec des instruments traditionnels que je rentre après dans mes machines. La musique électronique, pour moi, c'est plus ça, c'est utiliser l'électronique et le digital, surtout, pour pouvoir travailler chez moi et non pas aller dans un studio où ça coûte une fortune, où je suis dépendant d'un ingénieur du son qui a pris des cours d'ingénieur du son et donc qui va me raconter des choses que je ne comprends pas et moi je vais lui demander des choses qu'il ne comprendra pas. Et au niveau financier, ça fait une différence énorme, quoi. Je sais pas, moi, par exemple, le prix d'une table comme ça, c'est 3 jours de studio, donc au bout de 3, enfin, c'est vite rentabilisé, quoi. Des gens qui ont peur, mais après il y a des gens qui ont eu peur de la guitare électrique, il y a des gens aussi qui ont dit que la Terre était plate. Enfin, c'est pas pour faire des mauvaises comparaisons, mais enfin on pourrait voir avec Galilée, ouais c'est ça, il a été pendu ou je sais pas quoi par les inquisiteurs, donc ce serait dommage que les musiciens de rock soient maintenant les inquisiteurs, je pense. Les rockers ne sont pas tous des inquisiteurs. Jean-Philippe Freux et son groupe Rhinocéros s'inspirent largement de la house et de la techno.
dis pas qui c'est, mais il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître le morceau. Et ça, c'est qu'une base, c'est un état d'esprit qu'on essaie de maintenir avec Rhinocéros. En fait, de toute façon, c'est notre culture de base. Sinon, on a découvert des Anglais très tôt, en fait, dès les années 90-91, qui faisaient ce genre de trucs aussi. Wazerol est un producteur qui a amené justement des tas de groupes de rock, notamment les Primal Scream, qui ont commencé par faire du rock, qui les a amenés en remixant leur musique vers la musique électronique et qui a fait des trucs extrêmement intéressants qui nous influencent énormément. Donc ça, c'est un morceau qui s'appelle Low Dead, qui est un remix des Primal Scream, qui était un groupe de rock au sens classique du terme et qui a été passé à la moulinette d'un producteur. Il y a une espèce d'énergie qui rappelle un peu celle du rock anglais et qui en même temps était très très électronique avec un bon feeling. C'est des trucs qui se jouaient dans les raves à l'époque, etc. Ce qui me paraît important de vous faire écouter aussi, c'est la découverte de ça qui a vraiment déclenché l'envie de faire la musique instrumentale. C'est le fameux Pacific State de 808 State qui a été vraiment une révélation lorsqu'on l'a découvert. Et je crois que c'est ça qui nous a donné envie de monter Rhinocéros. Avec les climats extatiques, un thème musical comme ce qu'on continue de faire en fait avec Rhinocéros, on a conservé toujours l'idée qu'il fallait que dans un morceau il y ait un thème musical. Souvent nous on le fait à la flûte ou parfois à la guitare évidemment. Et puis bon, c'était je me suis planté. Tu l'avais reconnu, non? Tu vois, je savais. J'étais sûr qu'il était en 45, ce putain de disque. Après avoir joué dans pas mal de groupes pop, avec une formation dite classique pour la musique pop, c'est-à-dire guitare, basse, batterie et chanteur, je me suis intéressé aux musiques électroniques de très près, parce que c'était, y avait quelque chose d'énorme qui se passait, musicalement et même, j'allais dire, presque intellectuellement. Je voulais pas, en approchant ces musiques-là, rayer le passé que j'avais eu dans ces groupes pop. Et j'avais envie d'avoir une approche, j'ai eu une approche particulière, assez naturellement, où j'ai continué à faire la musique avec la guitare. Instrumentaux, il y avait quand même quelque chose d'extrêmement nouveau qui se passait, parce que tous les codes de la musique pop étaient explosés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de texte, il n'y avait plus de frontman. Ce que j'appelle frontman, c'est un chanteur qui vient délivrer un message ou être un sex symbol ou je ne sais quoi. Il n'y avait plus les mêmes structures de morceaux et surtout il n'y a plus du tout le même son. C'est-à-dire que c'était des instruments qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, avec des structures très répétitives, qui étaient dues en fait à l'avènement du sampler, qui permettait de mettre en boucle des passages musicaux. Depuis que la pop existe, la musique c'est un format pop, c'est-à-dire c'est une intro où tout de suite ça doit être assez rapide, tout de suite le couplet, après un refrain, un couplet, peut-être un pont et un dernier refrain. On a un format, c'est très court, c'est 3 minutes, c'est pour que ça passe en radio. Et grâce à la dance music, on a repris la musique séquentielle, ce qui est plus lié à la musique folklorique qu'on a, la musique qui est ethnique, si c'est en Afrique, mais en France, la musique folklorique bretonne, c'est la même chose. On est revenu à quelque chose de plus naturel, moi, je crois, pour la musique. On est plus, c'est plus formaté comme avant, quoi. Et ce qui est marrant, c'est les gens qui font le procès en disant que la musique électronique, c'est pas de la musique, en réalité, non, ça revient plus, je pense, aux origines de la musique, qui est juste la répétition dans le temps, ce qui nous donne le groove, la trance, chose qu'il y a plus dans la pop et dans le rock depuis des années, quoi. Quand j'ai préparé mon premier disque, j'ai rassemblé 4 morceaux qui me semblaient prêts à être produits, prêts à être écoutés,
prêtre danser. Ces morceaux-là ne correspondaient absolument pas au major dans l'identité, dans le son, dans sa volonté. Donc c'était évident à l'époque de faire ça sur un petit label indépendant. Ce que Laurent Haut appelle les majors, ce sont les multinationales comme Sony ou Virgin qui se partagent le marché du disque. En marge de ces énormes sociétés, une quantité de petites structures, communément appelées labels indépendants, se sont créées ces dernières années pour diffuser une musique dont personne ne pensait tirer profit. Pour savoir si t'as bien reçu les deux albums que je t'ai fait parvenir à ce moment-là. Fondée il y a 5 ans par Éric Morand et Laurent Garnier, F Communication est le plus important de ces labels. Ça a un peu commencé en 94 avec cet album, qui était le premier album de Laurent Garnier. C'est la première fois aussi qu'un DJ qui sortait un album, ce qui était un format un peu étrange pour un DJ, se mettait à cartonner autant, puisqu'on a vendu dès la première année 100 000, aujourd'hui on est à peu près à 200 000. Alabama Blues de Saint-Germain, c'est la première fois qu'un single de FCOM est rentré dans les charts single en Angleterre. Et puis un des petits derniers en date qui est sorti au mois de mars, c'est Monsieur Oiseau Flatbeat. Qui vient d'être un énorme carton puisqu'on a vendu plus de 2 millions de singles dans toute l'Europe. On sait ce qu'est la culture électronique, on sait ce que c'est travailler à l'international, beaucoup plus que certaines très très grosses structures, et c'est là notre force, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup plus de temps avec l'artiste, et surtout on est tout à fait capable d'adapter nos méthodes de travail et notre approche vis-à-vis de l'artiste. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, il y a des artistes comme Frédéric Galano qui eux sont uniquement intéressés par une espèce de démarche complètement artistique, avoir une totale liberté de travail sans aucune pression commerciale, sans vraiment du tout réfréner leur délire de création. Et en même temps, on va devoir travailler avec quelqu'un comme Monsieur Oiseau qui lui est dans cette liberté en ayant tout en même temps un côté industriel vachement fort parce qu'il a vendu 2 millions de singles. Avec plus d'une centaine de disques à son catalogue, F Communication explore tout le spectre des musiques électroniques. Mais le véritable succès populaire est venu avec ce morceau qui fut la musique d'une pub pour un fabricant de jeans. Les indépendants ont occupé une place de choix dans la musique électronique, mais au niveau mondial, tout simplement parce que quand même pendant des années, la plupart de l'industrie du disque et des médias a complètement nié cette musique, c'est-à-dire qu'ils considéraient que ce n'était pas de la musique et qu'il n'y avait aucun avenir dans ce courant musical. Mais c'est vrai qu'une des raisons aussi pour laquelle les labels indépendants continue à mener quand même à faire un très beau parcours dans la culture électronique, c'est que c'est un univers musical qui change quand même très très vite, où il y a sans arrêt des nouvelles tendances, des nouvelles modes, des choses qui bougent très vite. Et c'est vrai qu'une major, c'est quand même un énorme cuirassé, c'est un porte-avions qui a une puissance de feu phénoménale, mais qui n'est pas la chose la plus simple et la plus rapide pour bouger. C'est vrai qu'un label indépendant, bon, bah, c'est plus proche de la planche de surf, ça tire pas très loin, mais en tous les cas, ça bouge très très vite. Autre son de cloche chez l'une de ces fameuses majors, en France, Virgin fut la première à réagir et à comprendre l'intérêt de ses musiques, au point qu'elle représente aujourd'hui 5% de son chiffre d'affaires et 65% à l'export. C'est ici que les Daft Punk, qui ont débuté en sortant des disques vinyles sur un label indépendant, ont connu le succès international. Les maisons de disques, c'est quand même basé pour être des filtres avec des créatifs, avec des gens spécialistes de l'image, des gens spécialistes de l'export, des gens spécialistes du marketing, des gens spécialistes de la promotion, et donc c'est fait pour aider. C'est pas fait pour ralentir. Et je crois qu'aujourd'hui, ces grandes maisons de disques, comme le dit Daft Punk, elles ont changé d'esprit. Cette musique a une vocation mondiale, et je pense que les indépendants, ils ont pas encore montré aujourd'hui, à part en s'associant avec une marque de fringues, qui pouvaient vendre des disques dans le monde entier. Ça c'est encore un problème. Alors ça va changer parce qu'aujourd'hui Internet, aujourd'hui les réseaux de labels indépendants mondiaux s'organisent. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est Virgin qui a un réseau peut-être plus souple, mais vraiment international, a permis à cette musique de faire le tour du monde, quoi. Les indépendants n'ont pas toujours les moyens de sortir cette musique de l'underground. Mais sur le terrain, ce sont ces petites structures qui font la richesse de la scène électronique. Exemple à Montpellier avec la tribu des Pingouins, une bande d'une vingtaine de copains réunis par l'amour de la musique. On est à peu près une vingtaine, quoi. Et bon, il y en a qui ont monté
un magasin de disques, il y en a d'autres qui ont fait une société d'import-export de disques, il y en a qui mixent, il y en a qui... Mais généralement, ça tourne toujours autour de la musique électronique. Chacun a trouvé plus ou moins sa voix autour. Les pingouins, quand il fait trop froid, ils se mettent tous en groupe et ils tournent pour il y en a qui se mettent au bord pour protéger ceux qui sont à l'intérieur et chacun s'y met... Chacun son tour. C'est un peu ça. On a grandi en parallèle avec les musiques électroniques. Quoi. Je parle de l'association, en termes d'association. On a commencé, on les a découvertes à leur début en France, quoi, en 91. Quoi. C'était, dans le sud en tout cas, c'était le tout début. On a commencé à aimer ça, essayer de la diffuser, de la faire partager par une émission de radio, puis par des soirées. Puis on a continué. Et puis ça a créé un enthousiasme et ça nous a soudés parce que ça a donné une identité à un groupe d'amis, une identité forte même vis-à-vis de l'extérieur. Plus encore qu'une identité, la techno leur a donné des professions. Dans les bureaux de People, une société qu'ils viennent de créer, ils préparent l'édition 99 de Borealis. On a le grillage derrière pour alimenter la scène house. Ce qui n'était au départ qu'une soirée organisée par une bande de potes sur le parking d'une boîte de nuit est devenu en quelques années un festival de 20 000 personnes. Là, on suit tout le grillage ici, on fait le bar, on fait la scène techno. Ça, c'est comme l'an passé. Ouais, et par contre, on est au taquet de la puissance disponible, franchement. Ah ouais. Oui, Richie m'a répondu, il est désolé, il dit qu'il sait qu'on a travaillé un an sur cette soirée, mais que lui, il a son album et qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit et qu'il espère qu'on lui en veut pas trop. Voilà, et on lui en veut beaucoup. Mais cet été-là, Borealis aurait eu bien d'autres soucis que la défection de dernière minute d'un DJ. Pour cause de mini-tornade à Montpellier, le festival dut être annulé en dernière minute. De disques qui fait 2 millions de chiffres d'affaires pour sa première année d'exercice. C'est un nouveau, voilà, vous avez une panelle de tout le stock d'Agroove, enfin des nouveautés de la semaine, quoi. Puisque la semaine prochaine, ce sera encore de nouveaux disques, hein, puisque la production n'arrête pas. On fait donc un fax, tout qui est donc proposé au magasin tous les lundis. Et donc de ce fax, les magasins font leur order, en fait, commandent les disques. Et bon, ce sont toutes les semaines que des nouveautés. Donc il faut aussi dire qu'il y a une énorme production au niveau de cette musique actuellement. Tous ces disques, on les retrouve dans les quelques 200 disquaires spécialisés qui ont ouvert ces dernières années. Rien qu'à Paris, on en dénombre près d'une dizaine, sans même parler des chocs qui, à la demande générale, se sont remis à vendre du vinyle. Dagroove vient justement d'en ouvrir un à Paris, tenu évidemment par un membre de la tribu des pingouins. Ce qu'on fait, c'est vraiment de l'artisanat, c'est en quelque sorte une épicerie fine. C'est-à-dire on fait pas du gros chiffre d'affaires, mais on travaille dans ce qui nous intéresse. On fait ça pour la passion, pas pour l'argent. À l'époque, la clientèle house était plus ciblée 16-25 ans, pas plus, pas moins. Et maintenant, de plus en plus, on a des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, des chauffeurs de taxi, des journalistes. Je regroupe ça un peu avec les connaisseurs de jazz, qui à l'époque, un peu moins maintenant peut-être, mais à l'époque dans les années 60-70, et même 50, surtout en France, s'intéressait énormément à ce qui se faisait aux États-Unis, à tout ce qui était la musique noire américaine. Et là, en fait, ça se reproduit dans les années 90 grâce à la techno, grâce à la house. Retour à Montpellier dans un autre magasin ouvert par les pingouins. J'essaye de venir, on va dire, une fois tous les deux semaines. Et quand je viens, je prends, en moyenne, je dois prendre 5 disques, à peu près. Pratiquement, ouais. Avec beaucoup de tendances, quoi. Plusieurs styles de musique électronique, mais j'écoute pratiquement que ça. T'achètes des CD aussi? Non. Non, j'achète que du vinyle.
Hein ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas assez de sous. Déjà, j'ai pas assez de sous pour m'acheter tous les vinyles que je voudrais. Alors, vu que je mixe, moi, je préfère mixer et donc j'achète tous les vinyles pratiquement. Ici, on est allé jusqu'à créer son propre label, sa petite maison de disques baptisée Kobayashi. En allant du son de la maquette jusqu'à la création du sticker, jusqu'à la pochette, quoi. On voulait être libre à 100% et avoir le contrôle à 100% de ce qu'on fait, quoi, de travailler notre image, quoi. Et donc, pour nous, le moyen le plus simple était l'autoproduction. C'est le Kobayashi 08, donc c'est un artiste canois qui a été signé, ben, qui était pas connu. Il nous envoie une cassette. Bon, on reçoit beaucoup de cassettes quand même, entre des étrangers, on reçoit des cassettes de Slovaquie, etc., donc d'artistes européens. Bon, Anthony, en l'occurrence, travaille donc ses compositions à la maison. Il nous envoie il nous met tout sur un format qui est le DAT. Donc mini cassette, il nous l'a envoyé. Nous derrière, on s'occupe de ce qui s'appelle le mastering, c'est-à-dire on retravaille l'équalisation. Si on doit enlever des basses, on enlève des basses, rajouter des médiums, etc. Tout ça, c'est le travail de l'ingénieur du son. Voilà, c'est une techno minimale. C'est un son qui marche très bien, en Allemagne et au Japon, essentiellement. Hein. Un disque comme celui-ci, édité à 1500 exemplaires, il faut en vendre 600 pour qu'il soit rentable. Principaux clients de budget qui vont avec ses rêves ou un club. Des labels comme Kobayashi, il en existe aujourd'hui plus d'une centaine en France. Bah là, vous avez toutes les nouveautés de la semaine. Ça vient d'un peu partout, New York, Chicago, Londres. Alors là, il y a tout le bac français. Rotax, qui est un bon petit label. S'ils sortent Lyonnais, principalement des vinyles, ils s'associent aujourd'hui de plus en plus souvent avec des majors pour avoir les moyens de publier en CD, des albums ou des compilations. E-tronic Funk, c'est mon label Fast Forward. C'est un petit label que je viens juste de monter parce que c'est vraiment le kiff de pouvoir jouer ses propres disques quand on est DJ. Quand tu le vois sur une platine qui a 2000 personnes ébranlées en train de danser dessus, tu dis que là, t'as vraiment fait un projet qui sert à quelque chose. C'est inévitable avant d'avoir envie de produire sa propre musique. Ah bah évidemment, quoi. Bah à force d'entendre la musique, parce que nous, voilà, c'est ce qu'on fait quasiment 15 heures sur 24. On écoute des disques, on vient dans les magasins de disques, on rentre à la maison, on écoute les nouveautés, on prépare son set. Moi, là, ce soir, je vais à Anvers mixer en Belgique. Donc voilà, je viens ici, j'achète mes disques, après, je vais passer chez moi à les écouter. Je prends le train, j'arrive à Anvers, je fais la soirée. Demain matin, je rentre. Et demain après-midi, je fais pareil et demain soir, je repars. Voilà, c'est ça, c'est la vie du DJ, c'est ça. Donc automatiquement, à force d'être tout le temps dans la musique, ça te donne des idées et puis t'as envie de t'y mettre toi aussi, quoi. Pendant que vous tchatchez, nous... Ouais, bah ouais, vous bossez, quoi. Vous bossez, quoi, non. Denis, c'est moi, là, je viens de déménager, donc je sais ce que ça pèse. J'en ai eu 3-4 000, à peu près. Et 3-4 000 10, ça fait... 40-45 cartons comme ça, quoi. Donc j'ai pris des déménageurs là, parce que je suis pas assez pas encore assez fort, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les DJ sont des vrais malades, quoi. C'est des accros du vinyle, quoi. Ils peuvent pas s'en passer. Voilà, en anglais c'est vinyl junkie. Là vous voyez, le Cyril il est pas passé depuis 2 semaines, il tremble parce qu'il sait qu'il a loupé plein de trucs. Si les disques jockeys d'hier se produisaient dans les discothèques, les DJs d'aujourd'hui jouent dans les rêves à ces soirées techno qui ont longtemps fait peur. Le rêve, c'est s'installer dans un lieu vraiment splendide, industriel ou pas. En fait, c'est bien aussi quand ça se passe dans les bois. Je suis plutôt au gros hangar désaffecté, mais bon, là avec un lieu comme ça, c'est. Ce qui est bien, c'est que c'est un lieu quand même détourné pour une nuit. On récupère un endroit, on récupère une atmosphère et puis on la transforme et on fait la fête dedans. Et c'est bien quand c'est un lieu magique qu'on découvre. Ici, il y a le dance floor techno. Le très gros son va être ici. Super son, super DJ. Possible d'avoir un peu de son, s'il te plaît ?
Ici, de plus en plus souvent, ils ne viennent plus seulement mixer les disques des autres, mais donner de véritables concerts. Donc j'ai ni basse, ni aigu, ni quoi que ce soit. Contrairement aux fantasmes sur leur salaire pharaonique, les tarifs sont encore raisonnables, en gros de 0 à 15 000 francs par prestation. En revanche, en Angleterre où la nuit est une véritable industrie, les tarifs peuvent flamber. Je vous emmène voir Thomas, là, un petit peu comme ça, pour se mettre dans l'ambiance. C'est un rare artiste français à avoir vendu plusieurs millions de disques, de singles. C'est une vedette. Bien qu'il ait connu le succès mondial avec son groupe Daft Punk, Thomas Bangalter, qu'on voit ici préparer ses machines avec ses concerts, continue à jouer dans les rêves. De façon de gagner un pied dans cet underground où il a débuté il n'y a pas si longtemps. J'envie, je le vis bien, vous voyez. Envier, c'est ça? Oui. Quand j'écoute à la radio anglaise un disque, un hit, et que je trouve ça vraiment bien, et puis par la suite j'apprends que c'est français, je suis assez fier. Même si c'est pas le style de musique que j'aime bien, le morceau Stardust, quand je l'écoute la première fois, je trouvais ça vraiment, vraiment terrible. Le matin, quand ça passait sur BBC, je dansais au petit déjeuner et ça me fait vraiment plaisir. À Concarneau en Bretagne, au château de Courviolet, Astropolis réunit chaque été depuis 3 ans un public de plus en plus large. On déambule d'une salle à l'autre, d'un son à l'autre, de la house à la techno et de la techno au hardcore. Il y a quand même une nouvelle façon de faire de la musique, il y a aujourd'hui une nouvelle façon de traiter la musique, l'arrivée de MP3 sur internet ça fout la merde, mais quelque part n'importe qui aujourd'hui pourra faire de la musique et au lieu de passer par une maison de disques, il va pouvoir directement diffuser sa musique sur internet. Tout ça c'est excitant, tout ça ça va faire qu'il y a forcément quelque chose de nouveau qui va arriver, sûrement dans notre musique, sûrement quelque chose qui va beaucoup s'inspirer de ce qu'on fait, et je crois que ça c'est vachement sage.